Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, une recette encore hyper facile. Je vous propose un gâteau yaourt au compact cookélite. Alors, c'est une recette qui va me servir pour faire un autre gâteau demain. Donc, c'est une super recette de base, un gâteau yaourt. C'est facile. Et puis, avec le confinement actuel, c'est vrai que bon, on a besoin d'une petite recette sympa pour faire avec les enfants, pour les occuper, parce que c'est pas évident. Les recettes du mercredi. Ben, il passe aussi bien le lundi que le jeudi que les autres jours. Donc, on va commencer par mettre la pâte de mélange dans le robot. J'ai mis un yaourt dans mon bol. J'ajoute deux pots de sucre en poudre, un demi-sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, deux pots de farine. Un pot de maïzena. Alors, si vous n'avez pas de maïzena, c'est pas grave, vous mettez de la farine. Mais je trouve que la maïzena allège quand même pas mal le gâteau. C'est pour ça que je mets de la maïzena. Mais si vous n'en avez pas, pas de souci, ça marche quand même. Et enfin, je mets 3 œufs. Je mets le couvercle et je vous montre le devant. J'appuie sur ce bouton. J'appuie ici deux fois. Je mets 2 minutes. Pas de chauffage et je vais mettre sur vitesse 3. Je mets en route et on se retrouve dans 2 minutes. Je mets en pause parce que si vous voyez qu'il y a de la farine qui s'est mise là sur le côté, vous n'hésitez pas avec une marise à l'enlever. Donc là, il me reste 1 minute. Je vais le remettre en route. Je remets juste le couvercle et ça repart tout seul. Comme ceci. Et j'attends la fin du cycle. La machine s'est arrêtée, je l'ouvre. Donc, vous voyez, la pâte est belle, elle est terminée, hein. Donc, j'enlève le bol. Je prends un moule à fond amovible. Je prends un papier cuisson, je le mets sur le fond. Je coupe le papier. Alors, je le fais, je vous montre après, hein. Voilà, et je le moule. Comme ceci, je le ferme, j'étale mon papier bien au fond, j'enlève la pâte de mélange et je vais verser ma pâte dans le moule. Donc en attendant, je fais préchauffer mon four à 180 degrés pendant 15 minutes. Ensuite, je vais enfourner mon gâteau pour 30 minutes, thermostat 6 toujours, et on se retrouve après. Voilà, ça y est, mon gâteau est terminé, je l'ai démoulé. Maintenant, vous pouvez le garnir soit avec du Nutella, avec du chocolat fondu, avec la confiture, avec la crème pâtissière, avec tout ce que vous voulez, puisque c'est un gâteau de base. Et puis, si ma recette vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. C'est rapide, c'est facile, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir.